Les femmes durant la guerre d'Algérie. On parle souvent des femmes durant les guerres comme étant des oubliées de l'histoire. Ce n'est pas tout à fait le cas pour l'Algérie. Près de 11 000 femmes ont reçu une pension en reconnaissance de leur rôle dans la lutte pour l'indépendance sur environ 337 000 femmes. Évidemment, ce ne sont que des chiffres. Entre 1954 et 1962, de nombreuses femmes ont rejoint le FLN ou encore le ALN. Certaines étaient infirmières, d'autres cuisinières, d'autres furent poseuses de bombes et certaines prirent les armes auprès des moudjahidines. Le rôle des femmes durant cette guerre est peu connu et pourtant, elle est bien réelle. Hassiba Ben Bouali, Fadela Sahden, Jamila Bouhiren, Zora Derif, Bahia Hussein et bien d'autres. Certaines ont fait de la prison, d'autres sont décédées pour l'Algérie. 10 949 militantes, 1755 marquisardes, 65 combattantes. Aujourd'hui, nous allons parler du courage de ces jeunes femmes qui n'ont pas hésité à mourir pour notre magnifique pays. Hassiba Ben Bouali. Hassiba Ben Bouali alias Aït Sehda est née le 20 janvier 1938 à Sanjar dans la wilaya de Chilef. Une icône parmi tant d'autres de la résistance féminine pour l'indépendance. Elle est issue d'une grande famille aristocrate musulmane modérée. Hassiba fit ses études primaires dans sa ville natale. En 1947, ses parents s'installèrent à Alger où elle poursuivit ses études à l'école de Aïn Zarga. Son père, Abdelkader Ben Bouali, travaillait à la direction de l'agriculture au gouvernement général à Alger. Le gouvernement général est une fonction qui existait quand l'Algérie était française. Sa mère, Naït Sahda, est originaire de Kabylie. Hassiba Ben Bouali obtient son certificat d'études primaires en 1950 et continua ses études au lycée Pasteur pendant 2 ans tout en prenant des cours de musique. C'était une jeune adolescente très intelligente et curieuse et éveillée pour son âge. Elle intègre le scoutisme et c'est à l'occasion d'une sortie avec son groupe de scouts que Hassiba Ben Bouali découvre les conditions de vie misérables et déplorables des paysans algériens. Révoltée par ce qu'elle venait de voir, elle rejoint l'Union Générale des étudiants musulmans algériens, l'UGEMA. À 16 ans, c'est une militante active aux côtés de sa mère pour l'association caritative La Tasse de Lait, tout en continuant ses études. Cette association a pour but de distribuer de la nourriture et des soins aux enfants pauvres de la population musulmane. Voyant cette différence sociale et l'injustice que subit la population musulmane algérienne, sa profonde révolte lui font prendre conscience de la situation sociopolitique du système colonial. Elle devient bénévole à l'hôpital Mustapha Pacha en donnant assistance aux malades tout en suivant ses cours d'infirmière dans ce même hôpital. Le 19 mai 1956, au commencement de la grève des étudiants musulmans décrétée par le FLN, les étudiants sont invités à rejoindre la cause algérienne. Hassiba Ben Bouali quitte alors le lycée et renonce à son bac de philosophie, comme 90% de ses camarades. Elle sera alors recrutée par Abdelaziz Ben Seddouk au sein du FLN de la zone autonome d'Alger et dont le siège clandestin se trouve à la Casbah d'Alger. Un réseau de fédaïnes d'Alger, elle sera chargée, elle et son groupe, à la fabrication de bombes et à leur dépôt dans les lieux d'opération. Son réseau de fédaïnes se distinguera durant la bataille d'Alger. Elle est surnommée la Benjamin des combattantes de la Casbah. À 18 ans, elle réussit à gagner la confiance des dirigeants du FLN. Hassiba a le physique pour passer inaperçue dans les quartiers chics européens. Blonde aux yeux clairs, elle passe pour une Européenne et devient agent de liaison pour les militants du FLN d'Alger. Elle passe pour une Française et, lors des passages de barrages policiers ou militaires, pas un soldat ne la fouillera.
Hasiba Ben Bouali est à ce moment de sa vie infirmière à l'hôpital Mustapha Pacha, assistante sociale dans l'organisation La Tasse de Lait et agent de liaison au FLN d'Alger. Elle rejoint l'équipe du docteur Pierre Chollet, un militant du FLN qui a aménagé une clinique secrète à Clos-Salambier pour soigner les blessés du FLN. Grâce à son physique, elle peut sortir des produits de l'hôpital. Aux côtés d'autres femmes tout aussi courageuses, Zora Drif, Jamila Bouhired, Jamila Boupacha, elle organise des meetings sur les terrasses de la Casbah. Dans la nuit du 9 au 10 août 1956, un groupe d'Européens de l'Algérie française posera une bombe faite à base de chlorate dans les ruelles de la basse Casbah. L'énorme explosion causera la mort de plus de 70 musulmans, déchiquetés ou ensevelis sous des décombres à plusieurs pâtés de maison. Cet été 1956 sera marqué par cet attentat terroriste dans la Casbah. Cet acte sanglant sera revendiqué avec la distribution de tracts signés par le comité des 40, et sur ces tracts est inscrit « Pour chaque Européen tué, un pâté de maison de la Casbah sautera ». Le FLN diffusera à son tour des tracts qui jurent de venger les morts de la Casbah. Le chef militaire du FLN de la zone autonome d'Alger, Yassef Serdi, lancera des attentats visant la population européenne de la même façon que les ultras de l'Algérie française. Ces bombes seront transportées par des femmes qui ont un physique de type européenne. C'est ainsi qu'intégrera Hasiba le réseau de bombes de Yassef Serdi. Elle établira notamment la liaison entre les différents techniciens, le docteur Daniel Timsit, Abderrahman Taleb, Oussedik Bouhlem et Giorgio Habib, dont les laboratoires sont situés dans les différents endroits de la capitale. Elle fut recrutée par Mourad Keshida et sera sous ses ordres directs. Elle effectuera pour lui des missions très délicates comme transporter des matières premières nécessaires à la fabrication des bombes dans les différents laboratoires d'Alger et rapporter les explosifs finis. Pour le transport et le dépôt des bombes dans les lieux publics fréquentés par les Européens, d'autres femmes aux allures de Françaises effectueront ces missions, dont Zora Drif, Jamila Bouhired, Bahia Hussein, Daniel Mine et Samia Lakadari, ainsi que d'autres jeunes aux allures de Français. Après l'attentat de la rue Thébès à la Casbah où les immeubles numéro 8, 9, 9 bis, et 10 s'étaient écroulés avec un important nombre de blessés et de morts, notamment 9 bébés de 7 mois à 2 ans décédés, le FLN passe à l'action et les derniers mois de l'année 1956 seront marqués par plusieurs attentats à la bombe dans plusieurs lieux publics au cœur des quartiers français d'Alger. Du 30 septembre 1956 au 26 janvier 1957 et feront plusieurs morts parmi la population civile européenne. Les ultras de l'Algérie française sont de plus en plus actifs, et ce depuis mai 1956. Avant l'exécution d'Ahmed Zabana et de Abdelkader Ferraj, les premiers martyrs de la guillotine exécutés le 19 juin 1956. En septembre 1956, le réseau de bombes est découvert et plusieurs arrestations ont eu lieu. Hasiba est recherchée activement par la police coloniale. Elle réussit à leur échapper à plusieurs reprises. Malheureusement pour elle, elle sera contrainte à quitter sa famille et vivre dans la clandestinité. Elle trouvera refuge au cœur de la Casbah où elle continuera ses actions. Notamment, elle participera à la grève des 8 jours et aux attentats à la bombe dans les cafés du centre d'Alger. Le 14 décembre 1956, un mandat d'arrêt est lancé par le parquet et elle sera jugée par contumace au procès des médecins à 20 ans de travaux forcés et sera jugée au procès des porteuses de bombes à la condamnation à mort avec Jamila Bouhired et Jamila Boubacha. Le 15 septembre 1957, Hasiba envoie une lettre à ses parents, écrite en français, et ce sera sa dernière lettre. Ce courrier fait 4 pages. Mes très chers parents, je viens d'avoir vaguement de vos nouvelles par la mère du frère Sih Abdelrazer. Il paraît que vous allez bien. Je l'espère de tout mon cœur. Voilà près de 9 mois que nous n'avons pas pu communiquer. Je me faisais un mauvais sang de tous les diables. Car je savais que vous étiez très ennuyé à cause de moi, que la police ne sortait plus de la maison. Il m'était impossible de vous écrire ou de vous envoyer qui que ce soit. J'aimerais tellement vous revoir. Je vous ai terriblement langui. Il ne passe pas un jour où je ne pense à vous. Presque chaque nuit, je rêve de vous.
Nous avons eu des moments très difficiles, et même maintenant, ça ne marche pas comme sur des roulettes. Mais enfin, cela ne fait rien. Nous sommes pleins de bonne volonté, et des frères meurent tous les jours pour conduire leur pays à la liberté. J'ai entendu que vous aviez déménagé, cela m'étonne, mais enfin, c'est très possible. Je serais bien curieuse de savoir où vous habitez maintenant, et comment est votre nouvelle maison. Une chose pourtant m'ennuie. Je ne peux plus vous imaginer vivre comme je le faisais avant. Je me dis toujours, tiens, en ce moment, ils sont à table. Et je revois chacun à sa place. Leila, Iteta Zeria, avec vous bien sûr, car elles n'ont pas où aller. Et tandis que mes oncles sont en dehors de l'Algérie. Au fait, avez-vous de leurs nouvelles? Vous écrivent-ils? C'est terrible comme la famille nous manque quand on est loin d'elle. Vous savez que je suis très recherché ici à Alger. Donc, il m'est impossible de rien faire. Aussi ai-je décidé, enfin, il est de mon devoir de partir au maquis, où je sais que je pourrai servir comme infirmière. Ou même, s'il le faut, et je l'espère de tout mon cœur, combattre les armes à la main. Enfin, la route sera bien assez difficile pour arriver jusqu'à un maquis. Mais j'espère qu'avec l'aide de Dieu, j'arriverai saine et sauve. Ne vous en faites surtout pas pour moi. Il faut penser aux petits qui vont bientôt reprendre l'école, et j'espère qu'ils travailleront bien. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien ils me manquent. En effet, voici un an que je ne les ai pas vus. Ils ont dû grandir, surtout mon petit Mohamed. Est-il aussi méchant? Parle-t-il quelquefois de moi? Ou bien m'ont-ils oublié? Et la concierge, toujours aussi bavarde? C'est-il, maintenant je crois que je ne la reconnaîtrai peut-être pas. C'est une vraie jeune fille. J'aimerais avoir leur photo, et la vôtre aussi. Ainsi me semblera porter avec moi, en mon cœur, toute ma famille. J'aimerais beaucoup vous voir avant de partir. Je ne sais pas si je pourrais, mais sachez que je ferai mon possible, car une fois au maquis, vous n'aurez que très peu ou rarement de mes nouvelles. Bientôt, Inch'Allah, nous serons tous réunis, et peut-être, ou si la mort nous arrache à la vie, nous nous rencontrerons chez notre Dieu. Si je meurs, vous ne devez pas me pleurer. Je serai morte heureuse, je vous le certifie. Enfin, il n'en est pas question, mais on ne sait jamais si c'est si vite arrivé, surtout dans la vie que je mène. Enfin bref, tâchez de m'indiquer une adresse sûre où je pourrais vous écrire. Il faut absolument, quant à vous répondez, moi, par la personne, vous apportera cette lettre. Enfin, chers parents, j'espère que vous avez reçu les lettres que j'ai écrites à Tata Sekina. Je ferai tout mon possible pour vous voir avant de partir, mais je ne sais pas s'il faut beaucoup y compter. Enfin, tâchez de m'envoyer les photos que je vous demande. Je vous embrasse tous très fort. Leila et Tata, surtout qui doivent beaucoup penser à leur petite fille, et vous, mes parents adorés. Il n'est pas de mots pour vous exprimer mon affection. Mille baisers. Votre fille qui vous aime. Hasiba. Face aux attentats du FLN, le gouvernement français fait appel au corps d'élite de la 10e division parachutiste. 10 000 parachutistes entrent à Alger le 7 janvier 1957 sous l'autorité du général Massu qui a les pleins pouvoirs. La Casbah et la zone autonome d'Alger sont sous le contrôle des parachutistes et le réseau du FLN de la zone autonome d'Alger est découvert. Le 23 février 1957, Larbi Ben Mehdi, responsable de l'action armée à Alger, est arrêté. Il sera torturé et refusera de parler. Il sera pendu par le commandant Oussares dans la nuit du 3 au 4 mars 1957. Yassef Serdi le remplacera à la tête de la zone autonome d'Alger. Il tentera de remettre l'organisation sur pied avec Zora Drif, Jamila Bouhired, Ali Lapointe de son vrai nom Ali Amar qui fait équipe avec Hasiba Ben Bouali et le petit Omar de son vrai nom Yassef Omar. Il profitera de la légère accalmie dont bénéficie la Casbah et l'absence des parachutistes pour reprendre la résistance. Les attentats d'Alger continueront jusqu'à la fin de l'été 1957. Yassef Serdi et Zora Drif seront arrêtés à leur tour le 28 septembre 1957
après avoir résisté. Ils sont condamnés à mort et seront graciés par le général de Gaulle lors de l'indépendance en 1962. Ali Lapointe devient à son tour chef de la zone autonome d'Alger et Hassiba Ben Bouali sera sa secrétaire. Mais ils ne tiendront que 2 semaines. À la fin du mois de septembre 1957, les autorités françaises localisent la cachette de Ali Lapointe, de Hassiba Ben Bouali, du petit Omar âgé de 12 ans et de Mahmoud Bouhamidi qui se trouve au 5 rue des Abderrahm dans la basse Casbah. La nuit du 8 octobre 1957, les parachutistes français pénètrent dans la Casbah. Ils fouillent chaque pièce de chaque maison. 2 femmes vont indiquer sous la contrainte la cachette de Ali Lapointe et de ses camarades, en précisant que 4 personnes sont à l'intérieur, dont une femme et un petit garçon de 12 ans. Les parachutistes, sous les ordres du commandant Guiraud, encerclent la maison et somment le groupe de se rendre. Le commandant tente de nouer le dialogue avec les résistants. « Rends-toi, Ali, c'est fini, nous te promettons la vie sauve !» Il assistera afin de faire sortir Hassiba Ben Bouali et le petit Omar, mais il n'aura pas de réponse. Ils ne se rendront pas. Avec l'accord du colonel Godard, le commandant Guiraud donnera l'ordre aux artificiers de placer des charges explosives sur les parois de la maison. 2 mines anti-chars seront utilisées. À 6h15, une énorme déflagration retentit dans la Casbah d'Alger, faisant s'écrouler la maison des résistants, mais également les maisons voisines qui n'avaient pas été évacuées. Le général Massu insiste pour que les corps des résistants soient retrouvés. Les fouilles sont alors entamées. On retrouvera le corps de femmes et d'enfants victimes de l'effondrement des maisons après l'explosion. Le 10 octobre 1957, le corps du petit Omar, 12 ans, de Hassiba Ben Bouali, 19 ans, d'Ali Lapointe, de Mahmoud Bouhamidi sont retrouvés. Hassiba et le petit Omar sont défigurés par l'explosion. Ali Lapointe et Mahmoud Bouhamidi seront retrouvés complètement déchiquetés. Des documents et la lettre de Hassiba ont été retrouvés par les parachutistes dans la cachette de Yassef Saadi et de Zohra Drif au moment de leur arrestation le 28 septembre 1956. Hassiba Ben Bouali sera enterré au cimetière de Sidi Ahmed à Alger. Son nom sera donné à l'université de Chlef ainsi qu'au lycée d'Alger de Kouba. D'importants boulevards portent également son nom. Tous ces jeunes, victimes de la guerre et de l'injustice, qui ne demandaient qu'à vivre, Hassiba Ben Bouali ainsi que ses camarades et tant d'autres moujahidines ne voulaient qu'une chose, la justice. Elle aurait pu être une grande dame, avoir une belle carrière, se marier et avoir des enfants, mais sa soif de justice l'a faite se sacrifier à 19 ans pour son pays, sa patrie, pour qu'aujourd'hui nous puissions tous vivre dans un pays libre. Au nom de nos martyrs, au nom de la mémoire, afin que nul n'oublie le sang versé par ces femmes, par ces hommes, mais également par ces enfants, paix à vous tous, nos héros.